Alors en fait, l'AOP Sainte-Maur, ses grandes caractéristiques, déjà c'est une bûche tronconique. Donc on voit qu'il est plus étroit à un endroit et plus large à l'autre. Ensuite, il est traversé de part et d'autre par une paille de seigle et qui est en fait pyrogravée. Donc on peut lire le nom du producteur sur chacune des pailles. Et après, son étiquette aussi qui est caractéristique, la forme et puis les mentions qui sont dessus. Et on n'oublie surtout pas le petit logo d'appellation d'origine protégée. Moi, je pense à l'instant faire une petite salade verte pour une entrée légère. Donc de la saucisse de Morteau en rondelles sur votre salade, des rondelles de fromage de chef de Touraine. Et ça vous fera une merveilleuse salade pour un soir, ou pour un apéritif, ou pour toute occasion. Alors pour la région centre et le fromage que Cécile nous a présenté, le Saint-Maur de Touraine, quoi de mieux que des aliments simples et très peu. Une belle batavia bien vibrante, et des belles noix pour le croquant. Bien sûr, on aura la saucisse de Morteau. Pour la présentation, comme nous l'a suggéré son acolyte, on va couper le fromage de chèvre en rondelles, ainsi que la saucisse. On va nettoyer la batavia, la couper, lui arracher les pieds, bien la dessabler et la mettre dans un saladier. En ce qui concerne la sauce, on va garder l'équilibre acido-basique avec une huile d'olive et un vinaigre de balsamique qu'on mélangera avec un petit peu de moutarde, pincée de sel, pincée de poivre. Et voilà, bon appétit !